J'espère que vous allez bien. Alors, n'ayez pas peur, vu ma tête. Je vous ferai une vidéo explicative à ce sujet, suite à mes opérations. Bref, il fallait absolument que je vous tourne une vidéo aujourd'hui et que je la mette en ligne tout simplement parce que voilà, quand on fait des vidéos en partenariat avec des entreprises, on doit rendre des comptes. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous tourne cette vidéo et que par la suite je vous tourne également une vidéo explicative pour vous raconter donc ce qui s'est passé par rapport au bypass, etc. Vu que la dernière fois je vous ai dit que bon, que je vous dirais, mais vous m'avez vu en vidéo et j'avais pas ça. Bref, il y a eu des grosses complications et des très très grosses complications. Mais bon, ça, ce sera dans une autre vidéo. Il fallait absolument que je vous parle du site Octoly. Alors, je pense que vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube à ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est Octoly? Alors, Octoly, en fait, c'est un site qui est génial, tout simplement. C'est un site où vous pouvez vous inscrire quand vous êtes youtubeuse. Il faut quand même avoir quelques abonnés. Il me semble que c'est plus de 500 abonnés. Enfin, de toute façon, libre à vous après de faire votre candidature ou pas. Vous verrez si vous aurez un retour. Enfin, de toute façon, vous aurez un retour, ça c'est sûr. Mais qu'il soit positif ou pas. En fait, Octoly, c'est un site qui nous propose de nous envoyer des produits gratuitement. En fait, ils sont en partenariat avec des tonnes de marques. Il y en a vraiment beaucoup. Ça va du Urban Decay, MAC, en passant par L'Oréal, ou en passant par la marque de Leclerc ou d'Intermarché. Enfin bref, c'est vraiment un très grand choix. Et en fait, ils nous proposent de nous envoyer à chaque fois trois produits et de faire une vidéo dessus. Et ensuite, de la publier sur leur site et de donner notre avis, etc. Et une fois que on a publié, on peut rechoisir trois produits et ainsi de suite. Voilà, donc nous, youtubeuses, ça nous permet de pouvoir tester les produits gratuitement, d'en parler, de donner notre avis et ça permet aussi aux marques de pouvoir voir comment sont appréciés leurs produits, ce que les gens en pensent, etc., etc. Voilà, donc moi j'avais commandé trois produits chez eux il y a déjà un petit bout de temps, mais j'avais pas reçu la commande complète. Donc j'attendais, j'attendais, parce que vous avez 2 semaines pour publier la vidéo, et j'attendais, et puis ils m'ont envoyé un mail en disant vous avez pas fait votre vidéo dans les temps. Je lui ai dit mais oui, mais j'ai pas reçu les produits. Donc du coup, j'attendais, et ils m'ont renvoyé les produits tout de suite. En fait, vous pouvez chatter sur le site, c'est très 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 simple, voili voilou. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai reçus. Alors, on reçoit les produits à chaque fois dans des boîtes comme ça, où il y a écrit Octoly. Voilà, là vous avez le petit signe Octoly. Voilà, si je ne vous mets pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Donc c'est assez sympa. Alors, ensuite, vous avez toujours une petite carte comme ça. Voilà. Et puis, le produit est emballé en fait dans du papier avec à chaque fois un autocollant. C'est assez sympa. Voilà, c'est très bien emballé. Alors, je déballe pour vous. Alors, moi, ce que j'ai voulu tester, désolée pour le bruit, ce que j'ai voulu tester, c'était des produits de la marque Intermarché, des produits de beauté de la marque Intermarché, un masque et un produit pour enlever les, enfin, un vernis pour enlever les paillettes de chez Monoprix. Tout simplement parce que je ne souhaite pas acheter des produits en grande surface si je les ai pas testés avant. En fait, c'est bête, mais ça me permet en fait de me faire une idée avant d'aller en grande surface pour acheter ce genre de produit. Voilà, donc je me suis dit, je vais vous en parler, on va les tester, comme ça au moins vous allez pouvoir voir ce que j'en pense et vous allez pouvoir effectivement par la suite bah, vous rendre dans un Intermarché ou autre pour aller acheter ces produits. Alors, la première chose que j'ai reçue, c'est de la marque Jean Davez. C'est un masque à la cranberry et à l'argile rose pour tout type de peau. Voilà, donc j'ai reçu ceci. Donc à chaque fois, vous recevez des full size. Et alors, c'est vous qui choisissez les produits. En fait, à chaque fois, il y a toute une liste de produits et c'est vous qui choisissez les trois que vous souhaitez présenter, recevoir chez vous. Alors, étant donné que j'ai ça sur le visage, j'ai du mal, enfin j'aurais du mal à m'appliquer un masque. Voilà, aujourd'hui j'ai déjà fait l'effort de maquiller. Voilà, donc effectivement, j'ai senti le masque et je suis
une fan d'argile. Donc effectivement, l'argile rouge, je pense que ça va être terrible. Donc là, par la suite, vous allez voir dans mes produits terminés ce que j'en ai pensé, etc. C'est vrai que je peux pas vous donner forcément un point de vue positif ou négatif sur ces produits. En tout cas, je tenais à vous dire que l'argile rose, c'est très très bien pour les masques, qu'effectivement il faut en faire jusqu'à 2 fois par semaine, voire plus si vous avez une peau avec des imperfections ou autre, hein. Et voilà. Ensuite, j'ai reçu donc, comme je vous disais, la base peel-off de chez Monoprix. Voilà, donc en fait c'est un vernis blanc et ça permet d'enlever les paillettes, les vernis à paillettes. Alors pourquoi j'ai commandé ceci? Pourquoi je leur ai demandé de m'envoyer ceci? Tout simplement parce que dans ma dernière vidéo, enfin l'avant-dernière, le tag de l'automne, j'avais dit que j'adorais mettre des paillettes sur les ongles et je vous ai demandé si vous aviez un truc pour pouvoir enlever les paillettes facilement. Et il y a une d'entre vous, que je remercie au passage, qui m'a dit de prendre cette base et que c'était vraiment radical, mais que du coup le vernis tenait plus ou moins bien. Voilà, donc je peux pas mettre du vernis étant donné que je vais repasser au bloc. Mais du coup, dès que j'ai vu qu'il était dans les produits disponibles, je me suis dit, allez fonce Marie, tu dois le prendre. Bien sûr, sur Instagram, vous pouvez suivre mes aventures de vernis. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand chose étant donné que je ne me fais pas les ongles. Je vous laisse mon Instagram ici. N'hésitez pas à aller voir quand je fais des manucures. Je les poste directement là-bas. Dans une autre boîte, j'ai reçu ceci. Donc c'est les fameux produits de la marque Label. Voilà, donc la marque Label qui est effectivement la marque de chez Intermarché. Alors ils m'ont envoyé 2 fois le même produit. Ça devait être un mascara ou un eyeliner, je pense, qui était proposé. Moi j'ai reçu 2 crayons pour les lèvres. Donc il y en a un, je sais ce que je vais en faire, donc je ne l'ouvre pas. Celui-ci, on va l'ouvrir ensemble. Je vous ai dit, j'ai vraiment rien ouvert, j'ai vraiment voulu, étant donné que je ne peux pas tester, j'ai vraiment voulu tester ça avec vous. Alors, hop. Donc c'est bois de rose. Voilà, donc ça se présente comme ça. J'adore les jumbo pour les lèvres. Alors, voilà, donc ça se tourne ou ça se tourne pas? Non, ça se tourne pas. Donc ça se taille. C'est assez crémeux, c'est assez onctueux comme... Et la couleur, elle est vraiment superbe. Voilà, donc ça, en ce moment on voit beaucoup de jumbo pour les lèvres sur les réseaux sociaux et la plupart des marques en sortent. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai reçu un vernis à ongles. On va y arriver, j'essaye de l'enlever de la boîte. Alors, on a reçu un vernis à ongles rouge. Ça sent fort le vernis en tout cas. Voilà, il s'appelle le rouge pur. Alors moi les vernis rouges j'adore, de toute façon c'est comme les rouges à lèvres rouges. Donc celui-ci, bon, j'ai pas testé, je vais voir par contre son pinceau. Ah, super le pinceau. Quoique non, je pensais qu'il était gros. Non, c'est un petit pinceau. Donc ça, bon, ça prend un peu plus de temps à l'application. Mais bon, après c'est un coup de main à prendre. Et ensuite, il y a également de la marque Label toujours. Il y a une petite palette pour les yeux, ombre à paupières de 4 couleurs. Et ça tombe bien parce que ce sont mes couleurs. Donc voilà comment se présente la chose. Voilà, voilà. Et on va essayer de mettre ses doigts dedans pour voir ce que... ça donne. Bon, ça m'a l'air d'être assez pigmenté. Hop. Et sur la main. Oh ouais, c'est pigmenté. Voilà. Bah écoutez, pour les fêtes, pourquoi pas. Est-ce qu'il a une couleur ce truc-là? Brun terre de feu. Donc voilà. Alors moi, ce que je peux vous dire, effectivement, c'est que du coup, j'hésitais. C'est pas poudreux, hein. J'hésitais vraiment avec ce genre de produit. Voilà, autant les vernis et le jumbo à lèvres, ok. C'est vrai que j'aurais bien aimé tester un mascara, un eyeliner ou un rouge à lèvres. Mais le jumbo, enfin les...
ça, je voulais voir ce que ça avait dans le ventre, effectivement, pour pouvoir voir si c'était poudreux, si ça s'appliquait mal, si c'était pigmenté ou pas. Et là, je suis étonnamment surprise. Donc, c'est une bonne surprise. Je suis assez ravie dans l'ensemble. Voilà, donc je vous remets en barre d'infos le site Octoly. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes youtubeuse et si vous n'êtes pas encore inscrite. Voilà, donc c'était une vidéo qui était assez courte, mais il fallait absolument que je vous la tourne et que je remercie également le site et les marques pour m'avoir envoyé ces produits. Voilà, donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.